Il s'est rendu compte que sans YouTube, sa vie puait la merde. Explication première. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Célébor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur rien du tout, parce qu'il n'y a pas de jeu, en fait, c'est juste pour dire pourquoi j'ai été absent pendant 2 mois. Alors ? Salut YouTube, c'est Célébor, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire des super pâtés de crabe. Fuck ! Vous savez ce qui va se passer là? C'est que je suis en train de faire à peu près 250 intros, ce qui fait que je vais juste dire pourquoi j'étais absent pendant 2 minutes, et après il y aura un bêtisier. On va faire comme ça parce que sinon on va jamais y arriver. Eh bien, bonjour à tous, c'est Célébor. On se retrouve aujourd'hui pour une... Oups. Déjà, je voudrais vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Vous êtes de plus nombreux... Merde. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de recevoir autant de messages de soutien. Vous savez, c'est ça qui me fait revenir avant tout sur YouTube, c'est cet amour, cet échange qu'on a entre nous. Et puis après, j'ai vu une facture YouTube où je gagnais 3 € par mois, je me suis dit, oh, putain, c'est un peu gênant quand même, donc on va essayer de gagner un peu plus de 3 € par mois sur YouTube. C'est pas du tout pour la passion que je fais ça, c'est avant tout pour l'argent. Et voilà. Bon, si vous voulez le fond du problème, en fait, c'est pendant 2 mois, là, j'ai bossé assez dur. Et même si c'est un métier qui est super cool, qui me permet de bosser avec des youtubeurs, qui me permet de bosser avec des sportifs, etc. Il manque l'aspect musique, quand même, pour que ce soit parfait. Mais du coup, c'était un peu compliqué de sortir des vidéos. Maintenant, j'allais dire, c'est les vacances, pas du tout, je suis pas en vacances. Mais ça me permet d'avoir un peu plus de temps, maintenant que je suis organisé, pour faire des vidéos. Donc on va reprendre des vidéos, on va aller resoulever des darons sur Battlefield, sur CSGO, sur H1Z1. Bon, sur CSGO, je pense que j'ai beaucoup perdu. Mais Battlefield, y a pas de souci. Bref, tout ça pour dire que je reprends les vidéos et que ça va être du lourd, ma gueule. Ah, je pense que l'absence de Célébor dans l'équipe de France a fait beaucoup de tort au football français, au YouTube Game français, bien sûr. Maintenant qu'il est de retour, on espère le voir à son meilleur niveau, comme il a pu l'être en 2011, parce que depuis, il n'a pas fait grand-chose, le pauvre. Mais voilà, bon, on espère le meilleur pour lui. Puis d'ici là, je vais bien, Roxy, bien, et à la prochaine, ciao.